Salut à tous pour ce troisième épisode sur Animal Crossing Let's Go to the City. Wouh, wouh. Quel hype énorme avec Angus qui a un arrosoir, on s'en bat les couilles. J'ai reçu une lettre avec un cadeau, si j'ai pas rêvé. Tom Nook? What? Qu'est-ce que c'est? Colis pour Kenshi. 6 juin se trouve la table en verre que tu avais commandée. Ah oui! Eh mais je suis con, il y a. Putain. Ah oui, la table en verre que j'ai commandée. Je me disais, mais c'est quoi ce bordel? Bah c'est cool. Retire le cadeau. Ouvrir le cadeau. Et j'ai ma table en verre. Et on se jette cette merde. Voilà. Bon alors, où est-ce qu'on va mettre notre table en verre? On va la mettre. Voyons voir. Ok. Ah mais il l'a mis. Oui, ok. Donc, nous sommes chez nous. Y a pas beaucoup de place. J'aimerais. Merde. Attends. Attends, Burritos. Qu'est-ce que tu fais, Burritos? Burritos. Burritos! Ah, Burritos. Tourne-moi. Je peux pas tourner la table. Je peux pas tourner la table! Eh mais oh, mais le jeu il me troll. Ce putain de jeu il est en train de me troller. Et la table, on va la mettre. Ouais, là. Ouais, pour le moment, on va la mettre là. Salut à toi. Aujourd'hui, c'est la journée fidélité. What? Pour tous les achats effectués, tu recevras 5 fois plus de points que d'habitude. Génial. Mais j'ai oublié à quoi servaient les points. Alors, il faudrait que je revoie mes vidéos. Alléluia, mes frères. On a enfin une putain de pelle depuis le temps que je la voulais. On va pouvoir faire de l'archéologie. Et la paléontologie aussi, surtout. C'est ça, oui, je sais m'en servir, mais quand même, tu me prends pour un demeuré. Bien, donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de... Salut à toi, toi, tu es une nouvelle habitante. Ah oui, parce que j'ai eu 2 nouveaux habitants qui sont arrivés. Ils sont installés, voilà, comme je vous les présente, donc Victoria. Et qui a paumé ses clés dans la rivière. Putain, bon d'accord, je chercherai après alors. Mais d'abord, faut que je me fasse du fric. Car oui, comme je disais, aujourd'hui, on va payer la première dette. Allez. Putain de... Prends le coquillage. Tu vas pas me refaire le même coup que sur la GameCube. Enfin l'émulateur quoi hein. Parce que là avec la manette c'est en train de faire pareil. Putain c'est quoi cette bestiole. L'hôpital va sauter dessus. Vas-y. 2500. Putain mais ça va quand même hein. Oh on a presque remboursé les gars. C'était combien 18 000 qui me restait je crois à payer. Oh putain ça va être nickel. Merde j'ai pété des fleurs. Les fleurs sont pétées. Putain j'ai marché dessus comme un taré. D'accord. Non il faut rentrer mec. Il faut pas pêcher sa maison hein. Ça marche pas de toute façon. On a le choix. Oh putain. Eh, mais c'est quoi ce délire? Mais vous tournez votre tête. Oh lui attendez. Non. Tiens là ils peuvent pas la rater. Est-ce que les deux poissons peuvent combiner leurs efforts et venir pêcher? Vas-y 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 toi. D'accord, donc c'est des poissons attardés. Ah, oh, deuxième coup. Génial, encore un poisson de merde. Super. Ouais. Et une mauvaise herbe, ouais. Et encore des mauvaises herbes, mais c'est putain n'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais avec cette pelle? Je le vois dans ton regard. Tu caches quelque chose. Yes! Oh yes! J'ai attrapé une clé! Mais à qui il peut bien. Je sais à qui ça appartient! Il faut vite lui rendre! Hé, hey, connasse, viens là! J'ai des trucs pour toi. Victoria, oui, voilà. Ah, si. C'est à toi? Cette clé à la con là que t'as jetée dans la rivière? Ah, oh, merci beaucoup! Super, du fric! Alors je sais qu'il y a une astuce, on peut avoir un peu de fric en secouant les arbres. Il y a des petites pièces qui tombent. Donc voilà, faut le faire. Hein. Là. Tac. Et ici, il n'y a rien. Ok, rien du tout. Yes. Hop. Deuxième pièce. Il n'y a rien. Yes. Hop, une nouvelle pièce. Oh merde. Holy fucking shit. C'est quoi ce bordel? Oh ah ah ah. Oh putain. Aïe aïe aïe.
Ah, je suis piqué par des abeilles. Oui, 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 mais j'ai pas de trace sur la gueule. Si je fais ça... Aïe. Ah ouais, là, ça fait mal. Bonjour. Je me suis fait défoncer par des abeilles. Ah putain, il me le dit maintenant. Donc vous serez fermé le 18 octobre. D'accord. Le magasin sera en travaux. What? C'est quoi ce bordel? Je croyais que le magasin il augmentait bah quand on... Merde, mon micro. Quand on payait bah voilà quoi, les dettes. Faire un dépôt, aller rembourser les dettes. Bah vas-y hein. Putain, c'est 18 400. Il me manque en gros putain. Bon bah on va vendre tout ce bordel et puis voilà. Tac. Yes. Notre premier fossile. J'espère que c'est un tyrannosaure. Comme ça, tac. On se refait Jurassic Park. On s'en bat les couilles, voilà. Super. Yes. Youhou. Tu as remboursé ta dette. Ta maison est payée. Oh yeah. Et ben voilà, on a remboursé notre première dette. Donc je suppose que notre maison, voilà, elle s'imaginait. À moins qu'il l'agrandisse. Je ne sais pas s'il va l'agrandir là. Et je propose qu'on se fasse encore un peu de fric. Et on va au centre-ville pour terminer cet épisode. J'ai vu cette pelle, mais on dirait que t'es possédé avec ses yeux. Et je trouve que c'est pas franchement rassurant. Oh, what the fuck? Bah merde. Au secours, je suis bloqué. Petit salto et on sort. Putain, mais pourquoi je suis tombé dans un trou? What the fuck? Yes! Putain, je l'ai trouvé! Non, à côté! Ça y est. Tac. Super. Bah ça va, ça a même pas été une semaine quoi. C'est exact. Yep. Est-ce qu'on peut vraiment dire non? Si je dis non, de toute façon, je pourrais pas finir le jeu. Le toit. On pourrait le mettre en rouge. Ouais, non, mais rouge, c'est trop classique. Du bleu, pourquoi pas. Du jaune aussi, ça fait un peu classique. Du vert ou autre chose. On va la mettre en bleu, pourquoi pas. On peut voir qu'on a... What? Il a traversé de part en part, quoi, le con. Vous pouvez pas perdre. Vas-y. J'ai attrapé une perche jaune. Tu peux sauter de joie. Bah, j'espère que ça vaut cher cette merde, comme ça je peux la revendre. Bon bah voilà, on va se faire un petit passage au centre-ville. Et puis on va terminer là-dessus. Je pense que je vais me prendre le petit chapeau là de sorcière. Ça peut être pas mal pour Halloween. Et voilà. Oh, qu'est-ce que c'est? Bonjour, qui êtes-vous? Helium. Qui es-tu? D'accord. Exact. Oh, cool. Un cadeau. Vas-y, donne-moi un cadeau, donne-moi, alors. Oh, un ballon lapin, un moulin, un lance-bulle. Oh, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Oh, je sais pas quoi choisir, moi. Un ballon, ce serait trop simple. Un ballon lapin, pourquoi pas, ça peut être amusant. Un moulin et un lance-bulle. Yo, moi, j'ai un lance-bulle. Je sais pas pourquoi, mais merci beaucoup. Et je peux en avoir un autre? Ok, attendez, j'ai une minute, j'ai une idée. Et si je faisais ôter le masque de Mi et que j'ai lui pas reparle? Fucking shit, ça marche pas. Ah merde. Oh putain. On peut faire des bulles, les mecs. Eh, c'est Mimi. Mimi, prends mes bulles. Mimi, viens ici. On se revoit encore pour un autre épisode. C'était pas voulu. C'est totalement au hasard. Hein. Ah Blaze, vas-y, vas-y, mais il va t'arnaquer, il m'a foutu des godasses orange.
C'est un peu moche, mais bon. Je disais que oui. Allez, galerie Carla. Salut! No fucking way! No fucking way! Non! C'est vendu! La putain de sa mère, tout est vendu! What the fuck? Oh putain, tout a été vendu! Évidemment, les t-shirts de merde, hein, par contre, ça y est resté. Et le chapeau que je voulais, il a été vendu! Et ça là, en plus, ça coûte combien? Un t-shirt sorcier, oui, comme Harry Potter, alors? Combien? Oh, sérieux, mais non! Attends deux secondes, tu vends pas, t'attends! Deux secondes, je reviens. Merci, mais t'attends deux secondes, je te tue. Hein. Je te jure, je te botte les fesses, saleté de hérisson. Allez, c'est bon, ça y est! J'ai le fric! Vas-y, je peux essayer? Super, je ressemble à une sorcière et non à un sorcier, mais c'est pas grave. 5000, putain. Oh, vas-y, allez, au pire, on s'en fout. Merci bien. Bon, bah voilà, on va s'arrêter là pour ce troisième épisode d'Animal Crossing Let's Go to the City. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça, je me suis quand même bien marré. Même si je suis dégoûté que là, mon chapeau de sorcier ait été vendu et que j'ai une tenue de sorcière à la place. Mais tant pis, donc ma tenue est incomplète. Donc on verra bien. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine. Tout le monde, portez-vous bien. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et à plus, burritos. Ah ouais, je suis dégoûté. Tu peux même pas savoir à quel point je suis dégoûté. Franchement, est-ce que tu le vois dans mes yeux? À quel point je suis dégoûté? Je peux pleurer. Genre, t'en bats les couilles.